Vous avez entendu parler de Michel Gouarec? Michel Gouarec. Ah oui, c'est une des nouvelles recrues du service, je crois. Oui. 28 ans, joli garçon. Pupille de la nation. Famille de marins bretons. Ah ouais. Un type qui rêve de servir. Vous voyez le genre. Engagé dans la marine, puis réformé pour une histoire de vertige. Il a essayé le deuxième bureau, mais on l'a refusé. Et vous l'avez quand même embauché? Ben pourquoi pas. Ben pas comme volant à cause de son infirmité, mais comme résident. Il est à Washington depuis 6 mois, sous couverture d'une affaire d'import-export. Oui, ça, import-export, c'est pas très original. Hein. Ah ben suffisant. Il a fait la connaissance d'une certaine Jennifer, une Française naturalisée américaine. Dans son dernier rapport, il l'appelle d'ailleurs Jenny. Ah, ouais, c'est gentil. Enfin, comme vous avez dit qu'il était joli garçon... Il est libre d'avoir une maîtresse du moment que c'est dans l'intérêt du service. Cette Jennifer travaille au fichier central de la CIA, 5e section, département étranger. Et tout simplement. Tout simplement. La fille, elle a par-dessus la tête des USA et voudrait revenir en France. L'appel de la mère patrie. Mais vous savez comment ils sont, ces gens de la CIA, Méfiant. Hein, la disparition de cette Jennifer pourrait leur paraître bizarre. Et alors, Gouarec lui a proposé de la ramener en France, de lui procurer du travail chez nous et surtout une fausse identité qui la mettra à l'abri de ses anciens patrons. Et voilà, c'est exactement ça. Et quel est le prix de son billet de passage? L'organigramme des services secrets américains en France. Depuis 3 mois, elle collationne les renseignements qui lui passent entre les mains. Hier, j'ai reçu un message de Gouarec... Elle a le dossier complet. Elle est prête à nous le remettre. Oui. Et vous y croyez à cette histoire? Si les Américains avaient voulu nous intoxiquer, ils ne se seraient pas adressés à un sous-fifre comme Gouarec. Ils se seraient accrochés à un agent confirmé. Puis d'ailleurs, j'ai fait des recoupements. C'est solide. On peut y aller. Et quel est notre rôle dans cette salade? Étant donné le poste occupé par la jeune personne, elle est certainement surveillée de près. Gouarec affirme qu'ils se rencontrent assez discrètement pour que la CIA ne se doute pas de leur liaison. Mais... Autrement dit, nous allons surveiller le départ de l'oiseau. Eh oui. Voilà. On vous remettra le dossier au secrétariat. Vous y trouverez l'adresse de Gouarec, dans le quartier français de Washington. Il y a également un passeport au nom de Jeanne Leroy. Il est parfaitement en règle. Ça vaut mieux. Visa américain, tampon de la douane d'entrée, il y a 1 mois, il ne manque que la photographie. Gouarec vous attendra à l'aéroport de Washington, demain, à l'arrivée du vol AF-1015. Il croit que vous venez seul, Steve. Hein? Bon. Je ne lui ai pas parlé de Jésus. Merci quand même. Alors, par mesure de sécurité, il doit également vous déposer un mot dans un drugstore, au coin de Clifton Street et de la 14e rue Ouest. Attendez, rappelez-moi ça, je vais noter. Il doit également vous déposer un mot dans un drugstore, au coin de Clifton Street... Et de la 14e rue Ouest. Attendez, je note Clifton Street, 14e rue Ouest. Parfait. Alors, vous quitterez les États-Unis avec la fille par l'aéroport de New York. Adressez-vous à monsieur Edouard. Edouard. Agence Air France. Oui, Air France, oui. 683, oui. 5e avenue. Oui, ça, voilà. Je connais ça. Il se débrouilla pour que les douaniers ne regardent pas le passeport de trop près. Mais il y a une couverture en cas de pépin? Il n'y aura pas. De pépins, donc pas de couverture. Eh ben, on va prendre froid. C'est une petite affaire toute simple. Puisque c'est une affaire tellement simple, je me demande pourquoi le vieux a voulu que je t'accompagne, ça. Ah ben, Gouarec est jeune dans le métier, il a pu se faire repérer. Ouais. Dans ce cas, je serai le bouc émissaire. Pendant que j'aurai des ennuis, toi, tu feras le boulot. C'est ça, comme d'habitude. Nous allons atterrir dans quelques minutes à l'aéroport de Washington Dulles. Génial. Nous vous prions de redresser les dossiers de vos sièges, d'attacher vos ceintures de sécurité et de ne plus fumer. Sur une ligne belge. Le commandant Bertrand et son équipage espèrent que vous avez fait un bon voyage à bord du Boeing Château de Chambord et souhaitent vous revoir prochainement sur les lignes Air France. Prochainement, oui, j'espère aussi, mais dans l'autre sens. Bon, et qu'est-ce qu'on fait du passeport de la fille? Il vaut mieux que ce soit toi qui le garde. Bon. Bien, écoute, à partir de maintenant, nous ne nous connaissons plus. Toi, tu es un brave touriste, neutre et anonyme. C'est ça. Ça te va, ça, d'être neutre et anonyme? Tout à fait. Je te téléphonerai après avoir vu Gouarec. Prends une chambre à l'hôtel Lafayette en face de la Maison Blanche. Ah, ben c'est ça.
Et alors, si je m'ennuie, ben, j'irai faire un poker avec le voisin. Et tout juste. Comment il s'appelle, déjà? Cherche un peu. Johnson? Johnson. C'est ça. Mais Miss, où sont les bus pour aller en ville? À droite, à la sortie principale de l'aéroport. Ah, là-bas? Et comment avez-vous dit? À droite. À droite? À la sortie principale de l'aéroport. Ah, mais c'était facile. Merci. S'il vous plaît. Pardon. Vous êtes bien, monsieur Lafitte? Mais oui, c'est moi. Police, voulez-vous me suivre? La police? Mais je ne comprends pas. Moi. Je regrette, monsieur Lafitte, vous êtes en état d'arrestation. Oh, c'est invraisemblable. Il s'agit certainement d'une erreur. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, I'm sorry, sir. Vous ne pouvez pas faire attention, non? Il n'a pas idée de bousculer les gens comme ça. Ces Américains. Hein? Et venez, Lafitte. Enfin, vous devez confondre. Je suis un touriste. Une petite affaire toute simple. Tu parles. Here, Jerry. Break in, man. Bonjour, Lafitte. Ah, tiens. C'est donc pas la police qui m'a arrêté, mais la CIA. Bonjour, Mulligan. Bravo. Comment m'avez-vous identifié, Lafitte? Je connais un peu la banlieue de Washington et je sais que la CIA est installée à Langley. Comme votre agent ne m'a pas bandé les yeux en venant de l'aéroport... quant à vous, les rares types de chez nous qui vous ont vu à visage découvert ont donné des renseignements suffisants pour que notre service anthropométrique puisse établir le portrait robot du fameux Jerry Mulligan, l'as des services secrets américains. Vous me flattez. J'essaie seulement de faire le mieux possible un métier qui est aussi le vôtre. Généralement, nous travaillons du même côté de la barricade, mais cette fois-ci... Qu'êtes-vous venu faire à Washington, Lafitte? J'ai rendez-vous avec un vieux copain. Michel Gouarek, je sais. Tiens. Et comment l'avez-vous appris? Oh, j'ai pas grand mérite. Il a noté en clair dans son agenda, à la date d'aujourd'hui, arrivé Steve Lafitte. Ah, et je commence à comprendre pourquoi vous m'avez si facilement amassé à l'aéroport. Ah, c'est pas très malin de sa part. Entraînement insuffisant, je suppose. Pardon? Oh, yes, yes. Ah, vous êtes français. Oui. Monsieur Gouarek n'est pas là. Entrez chez moi, nous y serons mieux que sur le palier. Ah bien, pardon. Je m'appelle Mary Atkins. Enchantée, miss. Mais Michel Gouarek... Gouarek est mort. Naturellement, nous savions qui il était. Mais nous pensions qu'il s'agissait d'un personnage assez falot, un résident stagiaire qui apprenait son métier et n'était pas dangereux. Là-dessus, il y a 2 jours, les gars du FBI l'ont mis sous surveillance sans que je parvienne à savoir ce qui avait pu les accrocher. Inutile de vous dire que leur intervention nous a étonnés. Hein, vous avez donc décidé de lui tirer les vers du nez. C'est cela. La nuit dernière, je me suis arrangé à détourner l'attention des fédéraux. Et j'ai sonné chez Gouarek. Un crétin a pris peur. Il s'est précipité vers le balcon. La balustrade était très basse, il a basculé par-dessus. Gouarek était sujet au vertige. Ouais, je comprends maintenant. Je suis redescendu en vitesse et je me suis emparé de son agenda avant l'arrivée des flics. Voilà. Et voilà. Dites donc, qu'allez-vous faire de moi, Mulligan? Je suppose que je vais aller rejoindre Gouarek à la morgue. Non, nous ne sommes plus autant de l'OSS.
Maintenant, les espions étrangers sont jugés en bonne et due forme. Vous en tirerez avec 30 ans de pénitencier. À moins que vous ne fassiez preuve de bonne volonté. C'est-à-dire ? Donnez-moi la raison exacte de votre présence à Washington, Lafitte. Et nous pourrons peut-être nous arranger. J'en serais ravi, Mulligan. Malheureusement, je ne sais absolument pas ce que je suis venu faire ici. Vraiment. C'est long, 30 ans de pénitencier. Ouais. Gouarec avait découvert quelque chose d'important. Il a demandé qu'on lui envoie quelqu'un de Paris pour mener à bien une transaction difficile. Laquelle ? Ah, vous connaissez les agents fixes. Ils ne donnent jamais de précisions au sujet des affaires sur lesquelles ils travaillent. Un peu vaseuse, votre histoire. Hein ? Vous ne trouvez pas ? Ah, mais c'est pourtant la vérité. Regardons les choses en face, Lafitte. Je peux vous faire disparaître sans que personne n'y trouve à redire. Exact. Mais alors quelqu'un prendra ma place. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous mettrez des mois à repérer, à ficher, à cataloguer, alors que moi, vous me connaissez. D'autre part, n'oubliez pas que nos deux pays sont amis. Amis ? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre métier ? Vous étiez très ami avec ce pauvre Michel. Oh, très ami, non. Pas une vague relation sans plus. Mais comme je suis à Washington pour affaires, j'ai voulu passer lui dire bonjour. Je ne me doutais pas. Et vous, vous le connaissiez bien ? À peine. Nous étions voisins de palier, c'est tout. Ben, s'il recevait autant que lorsqu'il habitait Paris, vous deviez avoir un voisin bruyant. Pensez-vous ? Il n'était jamais chez lui. Il passait presque toutes ses soirées chez Raoul. Chez Raoul ? Le meilleur restaurant français de Washington. Michel Gouarec y était tout le temps fourré. Voilà votre cachot. Avouez que c'est mieux qu'Alcatraz. Oh, une chambre à l'hôtel Ambassador, un des meilleurs de Washington. Oui, un petit Versailles, dites-moi. Le budget de la CIA n'en souffrira pas trop, Mulligan ? Pouvez-vous estimer heureux de vous en tirer comme ça ? D'autant plus que vos explications quant aux raisons de votre présence ici, inutile de vous dire que je n'y crois pas beaucoup. Non, c'est pas vrai. Mais comme vous l'avez fait remarquer vous-même, vous posez moins de problèmes vivants que morts. Non, vraiment, vous en tirez à bon compte. Ah, vous trouvez, vous ? Notre résidence est tuée, moi, on m'expulse. Eh bien, je vais avoir l'air malin quand j'expliquerai ça à Paris. Ce sont les risques du métier. En attendant, vous allez passer la nuit ici. Tout seul ? Je viendrai vous chercher moi-même demain pour vous emmener à l'aéroport et vous mettre dans l'avion de Paris. Vous ne passerez même pas par la douane. Vénard. Ah, votre sollicitude me touche, Mulligan. Bill vous tiendra compagnie. Ben, vous commencez à vous connaître. Ah oui, il est charmant. Je préférerais une blonde, mais enfin, j'espère qu'il ne ronfle pas. C'est sans importance. Il ne dormira pas. Il doit téléphoner tous les quarts d'heure pour donner des nouvelles. Comme ça, je pourrai m'assurer que vous ne faites pas des bêtises. Papa, je serai sage comme une image. Parole de Boy Scout. J'espère. Mais comme on n'est jamais trop prudent, je préfère vous attacher par un poignet au montant de votre lit. Passe-moi les menottes, Bill. Méfiant. Voilà. Désolé, Lafitte. À ma place, vous en feriez autant. Bonne nuit. C'est très sympathique. Qui est Raoul ? Vous voyez le gros derrière le bar ? C'est lui. Ah bon ? Vous m'avez bien dit que Gouarec venait ici tous les soirs. Presque tous les soirs. Je crois que je vais prendre des huîtres grillées. Ah bon ? C'est délicieux. Vous devriez essayer. Non. Non, si ça ne vous ennuie pas, non, je m'en tiendrai au Châteaubriand. Permettez. Mary Atkins, c'est un nom américain ? Bien sûr, je suis née à Saint-Louis, Missouri. Ah,
Et pourtant, vous parlez le français à la perfection. J'ai passé 7 ans à Paris. Papa travaillait à l'UNESCO Place Fontenoy. J'ai eu 3 certificats de licence en Sorbonne, vous savez. Mais c'est très bien, ça. On dîne tout de suite ou on danse d'abord? On danse, bien sûr. Bill. Bien. Bill, enlevez-moi les menottes, que je puisse me déshabiller. Pas question. Je dormirai tout habillé pour une fois. Charmant, mon costume va être tout froissé. Il est bon, votre café? Pas mauvais. Vous en voulez? Oui, donnez-moi un peu. Merci. 2 sucres. Oui. 2 sucres, merci. Oh, c'est commode, je vous jure. Ne vous plaignez pas, vous avez une main libre. Ah oui. Ah, c'est l'heure du téléphone. Sam? Bill calling. Yes. Okay, Sam. Bye. Vous voyez dormir, Lafitte. Il est plus de minuit. Merci, maman. Bill, si on faisait un poker? Non. Vous pourrez tenir les cartes avec une seule main. Bah, je peux essayer. Vous êtes content de votre soirée? Je suis très, très, très content. Évidemment, s'il n'y avait pas eu ce pauvre Gouarec, est-ce que... Non, je voudrais oublier cette chose horrible. Vous avez l'intention de rester longtemps à Washington? Oh, 3 ou 4 jours, oui. Vous connaissez la ville? Un petit peu. Oh, pas très bien. J'ai une idée. Voulez-vous que je vous la fasse visiter? Ah... C'est-à-dire, vous savez... Oh, je vous en prie, ça me ferait plaisir. Et puis, nous parlerions aussi de Paris. Ah, non, si vous insistez, je suis d'accord. Wonderful. Donnez-moi un papier, nous allons préparer le programme. Un full. Ah, c'est encore pour toi? Ah. Ah, il n'y a pas de justice, tiens. Ah, voilà ce que c'est que de persécuter des innocents. Innocents, tu parles. Et on continue, Steve? Ok. Dis-moi, il y a longtemps que tu es à la CIA? 15 ans. Puis la Corée, quoi. Puis la Corée? Tu étais en Corée? Ah non, mais j'ai fait le débarquement en Normandie en 44. En 44, en Normandie, avec Patton? Oui. Toi aussi? Oui, j'étais lieutenant de corps-fond dans la première armée française, alors tu permets. Ah bah tu devais être à Strasbourg, alors. T'as connu Irving? Irving. Oui. Ah, Irving, le grand brun avec une moustache. Ah mais oui, bien sûr, l'officier liaison. Mais c'était un bon copain, tu parles, Irving. Ah, je le connaissais bien, moi aussi. Qu'est-ce qu'on a pu faire comme virer ensemble? Mais enfin, avant qu'il ne se fasse des ondes par les frisous. Ah oui, c'est vrai. Bon, oui. Allez, à toi de donner. Et tâche de me donner une bonne main. Ah ça, tu vas voir, la main que je vais te donner. Alors, c'est entendu. Je passe vous chercher à votre hôtel à 9h demain matin. Nous commencerons par le Capitole. Ah bon? Oui. C'est un excellent début, oui. Bon, alors, écoutez, pour le moment, il est 2h du matin, alors je vais vous raccompagner chez vous. D'accord. Attendez-moi une seconde, le temps de me remettre un peu de poudre sur le nez. Je vous en prie. Je vous attends, hein. Oui. Au bar. Ah, s'il vous plaît, un whisky. Sans soda. Tout de suite. Parisien? Ah, mais on peut rien vous cacher, vous. Et vous? J'avais un troquet à Argenteuil. Ah bon? Tenez. Merci. Ben, vous avez changé de pays, mais vous êtes resté dans la limonade. Hein? Oh, c'est un bon job. Tous les Français du patelin radinent ici. Vous connaissiez Gouarec? Un peu. Pauvre mec, c'est moche. Il venait presque tous les jours. C'était devenu un copain. Ah bon?
N'empêche qu'il m'a joué un tour de cochon hier. Comment ça? Il m'a emprunté ma bagnole. Il paraît que la sienne était trop voyante. Ah oui, il avait des embêtements? Non, il voulait sortir une souris, il avait peur de se faire repérer par son jeu. Alors moi, je lui passe mes clés et je lui dis de rapporter la tire ce matin. Et alors? Et alors? Il dégringole de son 17e étage en laissant ma bagnole devant sa porte. Heureusement, j'avais un double des clés. Mais vous ne savez pas ce que j'ai trouvé dans la boîte à gants? Non, je sais pas. Non. Un ticket de contredanse. Stationnement illicite dans une rue du bas quartier, près de l'usine à gaz. Je vous demande un peu, qu'est-ce qu'il est allé faire dans ce coin? Ah, ça n'en sait rien, mais dites, vous l'avez, ce ticket? Bien sûr. On a 5 jours pour payer. Vous connaissez le tarif ici? $25, les vaches. S'il n'était pas mort, Guarec, je vous jure, je lui dirais 2 mots. Ouais, mais seulement, il est mort. Hein. Bon, alors tenez, voilà. Les $25, je vous rachète la contravention. Quoi? Ça alors? Vous êtes dingue ou quoi? Non, non, je fais ça pour que vous ne gardiez pas un trop mauvais souvenir de Guarec. Vous êtes un marrant, vous. Enfin, tenez, là le ticket. Après tout, $25, c'est $25, hein? Ah oui, c'est juste. Pour la peine, je vous sers un autre scotch au frais de la maison. Merci. Tenez, voilà votre poulette qui remonte. Mary. Oui? Have a drink? Ok. Un calva, ça me rappellera le quartier latin. Alors, raconte. Ah, tu parles d'une nuit. Comment t'as réussi à filer? Eh bien, à 10h, le gorille me regardait d'un seul œil. À 11h, il acceptait de faire un poker. À minuit, nous en étions au prénom, nous nous tutoyons. Et à 1h, tu lui as cassé la gueule. Ah non, ça n'a pas été aussi vite. Non, non, j'ai dû attendre 6h30. Oui, j'ai bien perdu 10 minutes à le fouiller pour trouver les clés des menottes. Quand je suis parti, le téléphone sonnait. Enfin, autrement dit, à l'heure qu'il est, toutes les polices des USA sont à ta recherche. Non, ça, je ne pense pas que Mulligan ait mis la police dans le coup, ni le FBI. Ils doivent être seuls à mes trousses, ce qui fait quand même un bon nombre de gens. Oui, enfin, t'es dans le pétrin, quoi. Oui, ça m'en a tout l'air. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? C'est mon petit déjeuner? Oh. Non, laisse ça. Tu permets. Laisse. Ça fait du bien. Mais fameux, hein. T'as pas honte de m'enlever le pain de la bouche, non? Non. Tu te souviens, à Londres, il y a 2 mois, je t'avais laissé partager mon breakfast. Oui, si, je me souviens, tu penses. Un petit avis, s'il te plaît. Non, 2 sucres, merci. Tu sais que le FBI avait pris Guarec en surveillance sans que la CIA sache pourquoi? Sans blague. Eh oui. Alors, eux aussi, ils ont leur guerre des polices. Ah, ça, on a tout l'air. Et au fait, toi, raconte. J'ai déniché une Américaine qui connaît bien la France, une certaine
Mary Atkins. Impossible de m'en débarrasser. Ah oui, ça ne m'étonne pas de toi. Et où est-elle? Dans le placard? Non, te fais pas d'idées fausses. Non, j'ai l'impression qu'elle sait qui je suis et qu'elle est chargée de me surveiller. Alors bon, c'est Ya? Je sais pas, mais enfin, je ne crois pas que ce soit notre fameuse Jennifer. Ah tiens, il y a autre chose. Comment? Oui, avant de mourir, Guarec est allé dans le bas quartier de la ville, 547 Douglas Street. Alors, je suis allé faire un saut cette nuit avant de me coucher. Et là? J'ai vu les noms sur les boîtes à lettres, il y a une certaine Miss Jennifer Denver. Et tu lui as parlé? Non, je ne lui ai pas parlé parce qu'il y a aussi Monsieur et Madame James Denver, les parents. Toute la famille. Les parents, probablement. Ouais. Alors, tu me vois quand même arrivant à 3h du matin et annonçant, excusez-moi si je vous dérange, je suis l'espion français que vous attendez. Évidemment. Mais, alors... écoute, par mesure de sécurité, Guarec m'avait laissé un mot dans un drugstore. Mmh. Je suis passé le chercher tout à l'heure avant de venir. Tu l'as? Oui. Fais voir. Tiens. Au cas où on ne se verrait pas, téléphonez à Jennifer, NA88250. Tu as bien dit NA88250. Eh oui. C'est un numéro du quartier résidentiel sur les rives du Potomac. Rien à voir avec Douglas Street. Si le mot est vraiment de Guarec... Que veux-tu dire? Ton évasion de l'hôtel ambassadeur, c'est bien rocambolesque, ça. Hein? D'abord, un seul homme pour te surveiller, ça me semble peu. La CIA manque peut-être de personnel, comme nous. Oui, mais que le type ait été assez idiot pour laisser traîner son menton à portée de ta main, même si vous étiez devenu ami comme cochon, moi je trouve ça un peu gros, quand même. Et pour te dire la vérité, j'y ai pensé aussi. Si la CIA cherchait à nous intoxiquer, elle n'agirait pas autrement. Ouais, dans ce cas, l'une de nos deux Jennifer ne serait pas la petite amie de feu Michel Guarec, mais un agent jupon. Bon, il n'y a plus qu'une chose à faire. Attends. Tu m'as bien dit NA88250. Oui, c'est ça. Allô? Miss Denver speaking. Bonjour. Vous parlez français? Oui. Vous appelez bien Jennifer? Oui. Je suis un ami de Guarec. Enfin, je me demandais si vous alliez venir. Vous savez ce qui est arrivé à Michel? Oui. Il faut que je vous voie. Mais pas chez moi. Attendez-moi devant la Cour suprême à 11h. J'aurai un tailleur blanc et le Columbia Tribune dans la main. Entendu. À tout à l'heure. Et voilà. En somme, nous suivons chacun notre piste. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et essaye de savoir qui est exactement ta Mary Atkins. Et va voir la Jennifer de Douglas Street. Moi, je vais m'occuper de l'autre. Rendez-vous à New York chez le fameux Monsieur Edouard. Mmh. Je ne tiens pas à traîner trop longtemps dans les rues de Washington. Que sont conservées la déclaration d'indépendance, la constitution et la déclaration des droits de l'homme. Intéressant, non? Très. Bon, en route. Bon, où allons-nous maintenant? Je vais regarder le programme. Au Memorial Jefferson. Non, écoutez, Mary, en 2 heures, nous avons déjà vu le Capitole, la Maison Blanche, les archives nationales. Vous croyez pas qu'on pourrait arrêter un moment? Je veux bien, mais il y a tellement de choses à voir. Oui, je sais. Non, mais regardez ce ciel bleu, c'est pas merveilleux. Vous croyez pas que ça serait plus agréable d'aller, se promener un peu à la campagne? Vous voulez marcher? Quelle drôle d'idée! On pourrait acheter des sandwichs, aller les manger dans un bois, près d'un ruisseau. Attendez, vous me donnez une idée. Je connais une forêt sous les bords du Potomac, près d'Arlington, en Virginie. C'est à une demi-heure d'ici. C'est parfait. Allons-y, ça va nous changer quand même un peu de tous ces monuments. Excuse me, your name is Jennifer, isn't it?
C'est moi. Venez, marchons. Une quantité de gens viennent visiter la Cour suprême le samedi. C'est pour cela que je vous y ai donné rendez-vous. En nous mêlant à la foule, nous ne nous ferons pas remarquer. Il y a longtemps que vous êtes à Washington ? Je suis arrivé hier. Après la mort de ce pauvre Michel, alors. Naturellement, vous saviez ce qu'il m'avait promis. Eh oui, je sais aussi ce que vous deviez lui donner. L'organigramme ? Il est. Il tient en entier sur un microfilm. Parfait. Je vais vous poser une question indiscrète. Pourquoi faites-vous cela ? Vous voulez savoir pourquoi je trahis ? Non, je n'ai pas su. Si, j'ai compris. Je suis née en France, vous savez. Il y a 5 ans, j'ai épousé un officier américain. Fol amour. Mais ça n'a pas duré longtemps. Georges n'était jamais à la maison. Un pilote, vous pensez ? Vous êtes naturalisée ? Par mon mariage. C'est Georges qui m'a fait entrer à la CIA. C'est pas facile. Mmh. Il n'aime pas beaucoup employer des étrangers. Une femme d'officier, ce n'est pas pareil. Vous vivez toujours avec lui ? Il est mort. Ah. Son avion a disparu au-dessus du Pacifique. Quand partons-nous ? Le plus vite possible. Le temps de vous préparer. Alors nous pouvons filer tout de suite, ma valise est faite. La CIA ne s'apercevra pas de ma disparition avant lundi matin. Je devais arriver au bureau à 9h. Eh bien, à ce moment-là, vous serez à Paris. Où est le microfilm ? Doucement. Je connais un peu votre métier. Je ne vous le donnerai pas avant d'être dans l'avion entre les États-Unis et l'Europe. Méfiante, hein ? Mettez-vous à ma place. Quel avion prenons-nous ? Aucun. Nous prenons le train. Pour aller en France ? Pour aller à New York. C'est de là que nous nous envolerons. Comme vous voudrez. Après tout, c'est vous qui décidez. Il faut que je repasse chez moi pour prendre mes bagages. Parfait, allons-y tout de suite. Vous êtes en voiture ? Non, j'habite tout près d'ici. Quand votre mari est-il mort ? Il y a 5 mois. Ah oui. Et Gouarek est devenu votre amant quand cela ? Quelques semaines plus tard. Vous me trouvez très moche, hein ? Je n'ai pas à vous juger. Je crois que Michel se faisait beaucoup d'illusions sur mon compte, voyez-vous ? Il était persuadé que je l'adorais. Et vous ne l'aimiez pas ? Non, si, si. Je l'aimais bien. Et pour moi, il représentait surtout un moyen de quitter l'estate. C'est donc tellement difficile. Jamais la CIA n'accepterait que je m'en aille. Surtout après avoir travaillé au fichier central. Il me ferait arrêter à l'aéroport. Michel m'a promis que vous me trouveriez du travail et une nouvelle identité en France. Vous pouvez compter sur nous. En échange du microfilm. Naturellement. Naturellement. Regardez, il y a un ruisseau un peu plus loin. Nous pourrons y faire rafraîchir le Coca-Cola. Ah oui. Avouez que nous sommes mieux ici qu'à Washington. Hein? Et je suis sûr qu'il ne passe jamais personne sur ce petit chemin. Ça pourrait être seul, nous sommes seuls. Venez, sortons de la voiture. Bon, d'accord, je prends les sandwichs. Si vous voulez, ils sont sur la banquette arrière. Et qu'est-ce que vous faites ? Voulez-vous laisser ça ? Eh ben. Mais quoi? Non ! Mais je ne peux pas regarder ce qu'il y a dans la boîte à gants, non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Laissez ça, je vous interdis ! Et cela, oh, bon sang, un talkie-walkie et un revolver ? C'est une femme seule doit pouvoir se défendre. Bah voyons. Non, dites-moi, mon petit, vous ne croyez pas qu'il serait temps de me dire qui vous êtes, hein ? Mais je vous l'ai dit, Mary Hodkins, née à Saint-Louis et oui, papa... Oui, papa a travaillé à l'UNESCO pendant 7 ans, je sais, oui. Seulement, voilà, moi j'ai bien l'impression que vous êtes une vilaine petite menteuse. Oh. Je ne serais pas trop étonné que vous travailliez pour... je sais pas, au fait. Pour Jerry Mulligan, par exemple ? C'est pas ça ? Vous connaissez Mulligan ? Ah, un peu, oui. Mais je connais Bill, son homme de main, et je connais, enfin... Je les connais tous, quoi. Prouvez-le. Eh bien, c'est facile, ils ont arrêté un Français hier. Il devait être expulsé cet après-midi. Et en attendant, Bill le surveillait à l'hôtel Ambassador, mais il a filé ce matin.
Si vous n'étiez pas dans le coup, vous ne pourriez pas savoir tout ça. Ah. Oh, ça, là, c'est trop drôle. Qu'est-ce qui est drôle? Que vous apparteniez à la CIA. Je vous avais pris... Oh, vous devinerez jamais. Non, dites-moi. Je vous avais pris pour un Français trafiquant de drogue. Ouais. Oui. Oh, non. Mais dites-moi, vous êtes aussi de la maison? Pensez-vous. Je travaille pour le FBI. J'étais chargée de surveiller l'appartement de Warwick. C'est pour ça que je vous ai invité à venir chez moi. Hier, quand je vous ai vu sonner à sa porte. Mmh. Le FBI, mais nous ne nous aimons pas beaucoup. Hein? Comment? Vous n'avez pas reçu les nouvelles instructions ce matin? Si, mais... À partir d'aujourd'hui, nous travaillons la main dans la main. Tout au moins sur cette affaire. Avec vous, ça sera très agréable. Mais je me demande quand même ce que le FBI vient faire dans une affaire qui est typiquement CIA. Nous avons été les premiers à surveiller Warwick, non? Oui, je sais, mais pourquoi vous intéressiez-vous à lui? C'était une erreur. Une erreur? Nous ne savions pas qui il était. Nous l'avons cru mêlé à un trafic de drogue. Je me suis installée dans l'appartement voisin du sien pour le surveiller. Uh-huh. Une femme, c'est plus facile. Oui. Mais à quoi pensez-vous? Celui qu'ils ont arrêté. Oui. Il n'était peut-être pas seul. Ah. Ce matin, quand il s'est évadé, il a pu retrouver son acolyte. Dans ce cas, celui-ci connaîtrait toute l'histoire aussi bien que s'il appartenait à la CIA. Eh oui. Mais entre nous, heureusement, il y a du Chatterton dans la boîte à gants. Oh! Qu'allez-vous me faire? Non! Laissez-moi! Inutile de crier, personne ne passe jamais par ici. Du calme, là. Avec ce Chatterton pour tenir votre baillon, mains et pieds ficelés, eh bien, vous en aurez pour la journée avant d'arriver à vous libérer, mon petit chat. Yes. Excuse me, mademoiselle Jennifer Denver. C'est moi. Je viens de la part de Michel Warwick. Oh, entrez. Comment avez-vous trouvé mon adresse? Warwick est venu vous voir avant-hier, n'est-ce pas? Oui. Il a laissé sa voiture devant votre porte, ce qui lui a valu une contravention. Oui, j'ai eu le ticket en main. Ah, c'est donc ça. Vous venez de Paris? Oui. C'est vous alors qui... Vous pensez à un voyage, n'est-ce pas? Ah, oui. Oui, alors c'est bien vous. Oh, j'ai eu tellement peur quand j'ai appris que Michel était mort. Je me méfie de tout le monde maintenant. Ça c'est normal. Dites-moi, ce James Denver qui vit ici, c'est votre père? Non, des cousins. Ah. Mon père est mort, ma mère aussi. Ses cousins m'ont fait venir de France il y a quelques années. Ce sont eux qui m'ont fait entrer à la CIA. Ils ont été très gentils avec moi, mais je ne peux pas m'habituer à ce pays. C'est pour ça que vous voulez rentrer en France? Oui. Et puis... Oh, non, vous ne pourriez pas comprendre. Je peux essayer. Il y avait Michel. Je l'aimais. Nous devions nous marier. Il me parlait souvent de la Bretagne, de la maison de ses parents. Il disait que son père m'aimerait. Dès qu'il me verrait. C'est fini maintenant. Allons, mon petit, alors, ça sert à rien de pleurer, hein. Allons, bon, allez, on va partir. Hein. Vous avez le... ce que vous deviez donner à Michel? Le microfilm, oui, il est dans mon sac. Mais maintenant que Michel est mort, je ne sais pas si... Il est trop tard, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Un jour ou l'autre, les gens de la CIA s'apercevront que vous avez photocopié l'organigramme, et à ce moment-là... Vous avez envie de finir vos jours en prison? Oh, Dieu, ne dites pas ça. Bon, alors préparez-vous. J'aimerais quitter Washington le plus rapidement possible. Vous voulez dire que nous allons partir aujourd'hui? C'est indispensable. Vous avez une voiture?
Oui, mais je l'ai prêté à des amis. Ah, dommage. Ben, tant pis, on va en louer une. Nous ne pouvons pas prendre un taxi jusqu'à l'aéroport. Il ne s'agit pas d'aller à l'aéroport, mais à New York. Allez, dépêchez-vous. Hein. Moi, je vous donne, écoutez, c'est bien simple, une demi-heure pour faire vos bagages. Oh, mais jamais je ne pourrais... Ne perdez pas de temps à discuter. Tenez, prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Ben, vous voyez, un passeport. Alors, désormais, vous n'êtes plus Jennifer Denver, américaine par naturalisation, mais Jeanne Leroy, une touriste française. Oui. Hein? Bon, vous avez une photo d'identité? Oui. Bon, vous me la donnerez. Et puis, il vaudra mieux que vous louiez la voiture vous-même. Je me suis assez fait repérer dans ce fichu pays, et on pourra me reconnaître. Fermez-vous pas cette fenêtre, le bruit est insupportable. Aussitôt que le train sera parti. Pour le moment, je guette quelqu'un. En tout cas, ce pays présente un gros avantage sur la France. Les trains sont plus confortables. Ah, naturellement. Vous avez absolument voulu prendre un compartiment de première classe, à deux places seulement. Ah. Ce qu'il y a de plus cher. Pour faire 400 km, c'est du grand luxe. Peut-être, mais comme ça, je suis sûr que nous serons seuls. Ah, je crois que le train va partir. Jennifer. Vite, venez voir. Qu'est-ce qu'il y a? Ce type là-bas, au bout du quai, qui court pour attraper le train. Vous le connaissez? Celui qui a un chapeau gris? Non, je ne l'ai jamais vu. Aidez-moi à fermer la fenêtre, voulez-vous? Merci. Écoutez, Jennifer. Cet homme s'appelle Bill. Il appartient à la CIA. Il est certainement à ma recherche. Quelqu'un a dû me voir dans la gare et téléphoner à l'anglais. Il vous connaît? Plutôt... Je l'ai assommé la nuit dernière et cela n'a pas dû lui plaire. Il va certainement fouiller tout le train. Il faut l'empêcher d'entrer, alors? Au contraire. Il faut qu'il se rende compte qu'il y a une femme dans le compartiment. Oui, il doit croire que je suis seul. En vous voyant, il ne pensera pas à moi. Et il vous verra? Mais non. Je m'étendrai dans le filet à bagages au-dessus de la porte. Il n'aura certainement pas la tête. C'est ce que vous avez trouvé de plus discret, un cabriolet Lincoln, vert pomme et bleu. Je suis désolée, il n'avait plus que cette voiture, toutes les autres sont déjà louées. Eh bien tant pis, Jennifer, j'espère que nous arriverons quand même à passer inaperçu. Bon, dites-nous, combien de temps il nous faut jusqu'à New York? En passant par le New Jersey Turnpike, il y a 400 km. New Jersey Turnpike, c'est ça. C'est l'autoroute qui traverse le New Jersey du sud au nord. Ah. Si tout va bien, nous serons à New York dans moins de 6 heures. Si tout va bien, eh ben, souhaitons-le. Alors, allez, faites-moi démarrer ce char de carnaval. Steve. Quoi? Me voilà, il vient d'arriver au bout du wagon. Nous avons le troisième compartiment, il ne sera pas long. Come in. Excuse me, miss. Are you alone? I'm quite alone. Hey, you! Désolé, Bill. Si tu n'avais pas levé la tête, tu ne m'aurais pas vu et tout se serait bien passé. Qu'est-ce que vous allez faire de lui? Je ne sais pas. Il en a pour un bon moment avant de revenir à lui. Aidez-moi à le tourner. Là, je vais le fouiller. Qu'est-ce que vous cherchez? Je ne sais pas. Je me demande ce qu'il aurait fait s'il m'avait découvert. Il doit avoir un moyen de communiquer avec ses chefs. Tenez, regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Un émetteur haute fréquence miniature. Chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, l'appareil émet un signal. Je parie que Mulligan se trouve dans une voiture sur une route parallèle à la voie de chemin de fer. Vous croyez qu'il va se rendre compte de ce qui s'est passé? Bill devait certainement émettre à intervalles réguliers. Comme je ne connais pas le code, Mulligan va rapidement se douter de quelque chose. Quelle est la prochaine gare? Wilmington.
Nous y serons dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure, il nous y attendra. Vous connaissez bien la ligne ? Assez bien, oui. Est-ce que la voie est droite jusqu'à Wilmington ? Oui, j'en ai peur. Non, non. Non ? Je crois me souvenir qu'il y a une courbe avant le tunnel. Parfait, une courbe et un tunnel, alors nous sommes sauvés. La vitesse doit être considérablement réduite. Jennifer, avez-vous déjà sauté d'un train en marche ? Jamais. Alors réjouissez-vous, cela va vous arriver pour la première fois de votre vie. Évidemment, ce n'est pas recommandé pour les bas nylons, mais enfin... D'arrêt, hein? Oh, oui. Oh, le temps de boire quelque chose de frais, je suis à moitié cuit, moi. Oui, moi aussi. Oh, quel soleil. Nous allons au bar ou bien nous prenons des bouteilles au distributeur automatique? Ah non, le distributeur automatique, c'est plus discret et c'est plus près. Oui. Vous avez des dimes? Oui. Non? Là. Bon, qu'est-ce que vous prenez? Un jus de fruits quelconque. Oui, c'est hein? ça. Frais, de toute façon, frais. Voilà. Thank you. Hein? Non, mais qu'est-ce que c'est? C'est la machine qui a parlé? Oui, les nouveaux distributeurs automatiques savent dire merci. Oh, bah quel pays. Je commence à comprendre que vous ayez envie de le quitter. Tenez, venez donc vous asseoir. Oh, vous savez, je me dégoûte un peu. J'aime pas les États-Unis, d'accord, mais de là à voler des documents secrets tout de même. C'est une sorte de trahison, non? Ah, les mots ont le sens qu'on veut bien leur donner, mon petit... Au lieu de penser que vous trahissez les USA, vous pourriez vous dire que vous rendez un fier service à la France, votre mère patrie. Oh, c'est drôle. Ah oui, quoi donc? Les gens comme vous, je les voyais tout autrement. Ah oui, je sais pas, oui, fausse barbe, lunettes noires, bazooka pliant dans la poche revolver. Non, mais vous lisez trop de romans d'espionnage, hein, mon petit. Moi, au lieu de philosopher, eh bien, je trouve que nous ferions mieux de repartir. Hmm? Allons-y. Vous y êtes? Vous voulez que je conduise? Ah bah pourquoi pas, hein? Pendant ce temps-là, je ferai un petit somme. Et qu'est-ce que c'est que cet hélicoptère? Il se pose sur la route, là, juste devant nous, regardez. En cette saison, c'est certainement pas le Père Noël, hein? Ah non, ça m'a plutôt l'air d'être un pépin d'un nouveau genre, ça. Oui, ben, essayons de partir, hein, on verra bien. Regardez, le type qui descend de l'hélicoptère, il nous fait signe de rester là. Ouais, ben je lui avais dit à ce type que c'était une affaire pourrie. Enfin, n'oubliez pas que vous vous appelez Jeanne le Roi. Oui, oui. Vous avez toujours le passeport. Oui, bien sûr. Good day. Have you got your papers? Pardon? Papers. I don't speak English. Nous sommes français. On ne comprend rien. On ne comprend pas l'anglais. Ma fiancée et moi, nous venons de Baltimore, monsieur. Français, hein? Oui, nous sommes français. Je suis le shérif du comté de Camden. J'ai des ordres à propos de français. Je patrouille la route et j'arrête toutes les voitures où se trouvent des couples. Ce n'est pas vous, non. La fille est américaine, non. Yes, le type, c'est un grand blond. Ah, ben, c'est pas moi. Pas du tout ça. Vous êtes comme grand blond, moi, hein? Et qu'est-ce qu'il a fait, ce type? Non, je n'en sais rien. Nous agissons sur l'ordre fédéral. Ah, bon? Oh, ça ne va pas, mon petit? Oh, qu'est-ce que tu es malade, ma chérie? C'est la chaleur, sans doute. Ça fait, il fait chaud, chez vous. Oui, c'est la chaleur. Ouais, vous n'avez qu'à rouler un peu. Oh, l'air lui fera du bien. OK, go on. Thank you. Vous feriez mieux de prendre le volant, hein? Yes, thank you. Monsieur Edouard, s'il vous plaît. C'est moi. J'ai rendez-vous avec un de mes amis, monsieur Lafitte. Je suis au courant, il est dans mon bureau. Vous voulez le voir? Ah, bien sûr, je veux le voir. Par ici. Venez, Jennifer. Ah, te voilà. Je me demandais ce que tu faisais, toi. Ah oui, nous avons eu des embêtements sur la route. Enfin, ça, je te raconterai. Oui, bien, tu n'es pas le seul. Nous avons été obligés de venir de Wilmington en autostop. Ah bon? Ah, au fait, je te présente, Jennifer. Ah, oh, ça c'est rigolo, alors. Oui. Alors, non, permettez-moi de vous présenter Mademoiselle Jennifer.
Ah, nous portons le même prénom toutes les deux. C'est curieux. Oui, très curieux. À quelle heure décolle notre avion? Dans 2 heures, mais Edouard n'a retenu que 3 places. Aïe, 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 non, ça va poser un problème. Ça. Eh oui. Alors, comment avez-vous fait? Vous en avez collé une dans la soute à bagages? Non, nous n'en avons ramené qu'une. Laquelle? Jennifer. Ouais. Très drôle, votre numéro de duettiste. Laquelle? Mais la vraie, voyons. La vraie. Ouais, je vois. Et l'autre? Nous l'avons laissée à New York. À New York. Vous allez bientôt cesser de vous payer ma tête tous les deux, hein? J'aimerais que vous vous expliquiez clairement. D'accord, d'accord. Quand nous nous sommes retrouvés à New York, avec nos deux Jennifer sur les bras, nous avons essayé de comprendre ce qu'il se passait. Mais bien que Mulligan ait affirmé le contraire, la CIA savait certainement ce que préparait Gouarec. Comment l'avait-il appris? Oh, j'ai l'impression que ce pauvre type de Gouarec était bavard. Il a pu faire des allusions devant Raoul, par exemple. Mais naturellement, sans donner le nom de Jennifer et sans parler des motifs qui la poussaient. Oui, ce Raoul serait un petit peu indicateur que ça ne m'étonnerait pas. Oui, un peu. Là-dessus, Gouarec tombe par la fenêtre et se tue. Pour la CIA, c'est le coup dur. Plus de suspects, plus de pistes, impossible de mettre la main sur la fille. Vous savez combien de personnes travaillent à l'état-major de Langley? Plus de 10 000. Oh! Oui, oui. Alors, ils ne pouvaient pas, en 24 heures, retrouver l'origine de la fuite. Oui, ils vous ont donc lancé une fausse Jennifer dans les pattes avant que vous ne puissiez contacter la bonne. Hein? Ah oui, ils faisaient ainsi d'une pierre deux coups. Ils désamorçaient la bombe Gouarec et ils introduisaient quelqu'un chez nous. Donc, la vraie Jennifer est celle de Jésus. Jésus dont ils ignoraient la présence aux États-Unis. Votre arrestation, c'était du bidon, et l'ami Bill avait ordre de se laisser assommer. Puis, ils ont fait semblant de vous poursuivre, mais en s'arrangeant pour que vous leur échappiez chaque fois. Oui, et le shérif qui m'a demandé mes papiers sur la route s'intègre très bien dans l'ensemble, parce que même aux États-Unis, un hélicoptère qui tombe du ciel pour arraisonner les voitures, ça se remarque quand même. Pour peu qu'ils aient répété leur petit numéro sur toutes les routes aux alentours de Washington, les gens en ont parlé. Et... oui, cela renforçait mon impression d'être poursuivi. À moins que... À moins que... Eh bien, à moins que Mulligan ait su que j'étais là, moi aussi, et qu'il m'ait lancé, moi, sur la piste d'une fausse Jennifer. Et pourquoi aurait-il fait ça? Mulligan, devine le raisonnement que nous allons tenir. Arrestation bidon, évasion trop facile, etc., etc. Bon, il se doute bien que nous allons nous retrouver quelque part, Jésus et moi, avec nos deux bonnes femmes. En me donnant l'impression que ma Jennifer n'est pas la bonne, il authentifie celle de Jésus, laquelle est en réalité un agent de la CIA. Oui, oui, oh, ce serait bien dans la façon tortueuse de Mulligan. Alors, en somme, laquelle avez-vous ramené? Mais la vraie, voyons. Voyons. Ah, écoutez, vous deux, si vous continuez... Ah, et d'abord, où est-elle, votre Jennifer? À côté. Allez la chercher. Jennifer, voulez-vous venir un instant? Oui, nous allons vous présenter à notre chef. Et qui entra dans le bureau du colonel? Qui? Eh bien, Jennifer. Laquelle? Ça, ne comptez pas sur moi pour vous le dire. D'ailleurs, vous le savez certainement. Vous savez certainement si c'est ma Jennifer ou celle de Jésus, du moment que vous avez écouté attentivement cette histoire. Bien. Et il est temps maintenant que je vous pose les deux questions rituelles. Vous êtes prêts? Alors écoutez bien. Première question. Quelle est la Jennifer authentique, celle qui était décidée à trahir la CIA et à nous livrer les documents en échange de son billet de retour en France? Je répète, première question, quelle est la Jennifer authentique, celle qui était décidée à trahir la CIA et à nous livrer les documents en échange de son billet de retour en France? Deuxième question, comment avons-nous réussi, Jésus et moi, à l'identifier? Deuxième question, comment avons-nous réussi, Jésus et moi, à l'identifier? À vous de trouver. Eh bien, voici la réponse. L'une des deux Jennifer, celle que nous devions amener en France, avait été la maîtresse de Gouarec. L'autre,
l'agent de la CIA, n'avait pas connu le résident. Or, celle de Jésus lui a déclaré à propos de Warwick, il me parlait souvent de la Bretagne, de la maison de ses parents. Il disait que son père m'aimerait dès qu'il me verrait. Oui, petite phrase anodine en apparence, mais qui suffisait à trahir l'agent double. Vous n'avez certainement pas oublié ce que le colonel nous a dit avant notre départ de Paris à propos de Warwick. 28 ans, joli garçon, pupille de la nation, famille de marins bretons. Vous avez entendu ? Pupille de la nation, donc orphelin de père. Dans ces conditions, Warwick n'a pu prononcer la phrase rapportée par la Jennifer de Jésus. Autrement dit, celle-ci avait usurpé son rôle. L'authentique Jennifer était celle que j'avais rencontrée devant la Cour suprême. Ma Jennifer, en somme. Et voilà. C'est fini. Enfin, c'est fini pour aujourd'hui. Mais j'espère vous retrouver à l'écoute dimanche prochain. En attendant, je vous prie d'agréer, mesdames, messieurs, l'assurance de ma considération hautement distinguée.